Donc, après avoir téléchargé et installé SketchUp, je lance le programme. Je commence toujours par cliquer sur choisir un modèle type et je vais prendre architecture paysagère en maître. À ce moment-là, je peux venir commencer à utiliser SketchUp. Avant toute utilisation, vous devez paramétrer les trois barres d'outils, dont la barre ici s'appelle premier pas, la barre juste au-dessus que je peux bien entendu bouger s'appelle ici vue, et sur le côté gauche, je vais utiliser le grand jeu d'outils. Donc pour les élèves qui n'auraient pas encore paramétré ces barres, il suffit d'aller dans affichage ici, barre d'outils, et je pense à cocher les bonnes cases. J'ai mon espace de travail, je peux zoomer ici sur le personnage, donc je viens zoomer. J'ai une icône qui me permet ici avec la main de déplacer pour revenir centré sur le milieu de l'écran. Je prends le pointeur, je viens sur le personnage et par un clic droit, je vais venir le supprimer. Donc je peux également appuyer sur la touche supprimer, effacer. Je remarque que j'ai plusieurs outils. Nous allons commencer par des outils simples, le rectangle, le cercle, le polygone, les lignes. Donc quand je clique sur rectangle, il me suffit de venir ici dans le coin, de tenir le bouton gauche enfoncé, de faire un glisser-déposer. Lorsque je vois une diagonale, en fait je suis en train de dessiner un carré, et dès que la diagonale disparaît, je dessine un rectangle. En bas à droite ici, mais sans cliquer, je peux rentrer des dimensions. Imaginons que je veuille un carré de 10 sur 10, j'écris tout simplement 10. Point virgule 10, attention à ne pas mettre la virgule, 10 point virgule 10, et j'appuie sur Entrée. À ce moment-là, la surface que j'ai dessinée, je vais venir recentrer ici, mesure 10 mètres sur 10 mètres. Parmi les outils intéressants, à droite de l'outil rectangle, je vais utiliser ici l'outil qui s'appelle Extruder, donc pousser-tirer, qui me permet de tirer vers le haut ici. Et je vais saisir une valeur de 4 mètres. Donc je clique directement, je saisis le 4, je valide l'entrée et je vois que mon rectangle ou mon carré a pris du volume. Donc je peux cliquer sur cette icône pour voir toute ma sélection. Je peux également cliquer sur la rotation pour changer l'angle. Et avec la molette souris, ici, je peux venir tourner, pivoter, modifier l'angle. Donc, dans un premier temps, nous allons tout simplement apprendre à faire des formes simples. Alors, imaginons, je reprends ici un rectangle que je viens tracer là-dessus, alors sans mesure. L'icône tirer-pousser me permet soit d'enlever de la matière donc vers l'intérieur de l'objet, soit d'ajouter de la matière vers l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à faire des essais avec le rectangle. Avec également le cercle ici, donc même chose, je peux enlever de la matière tout le long, comme ça, et je peux même rajouter de la matière de l'autre côté. N'hésitez pas à utiliser également l'outil ligne, donc qui se cache ici. Je prends ma ligne, je prends par exemple ici un angle comme ça, et je pourrais très bien, vous voyez, enlever ici cette matière-là, de manière à créer ce qu'on appelle un chamfrein. Je peux également créer un congé avec le demi-cercle, donc imaginons de là à là, donc je choisis le rayon et je viens hop, enlever de la matière. À tout moment, je peux, pardon, à tout moment ici, avec cet outil, je peux tourner, pivoter et travailler bien entendu sur les autres faces. Une dernière manipulation, donc je vais retracer ici un rectangle, imaginons de cette valeur-là, et je vais à nouveau enlever de la matière. Alors, un menu qui est très intéressant, c'est annuler, rétablir, dont les touches dans Windows sont toujours les mêmes. CTRL Z, regardez, me permet ici d'annuler, et CTRL Y me permet de rétablir mes fonctions dans des touches très importantes. Donc, je vous souhaite de faire de beaux essais et nous allons démarrer la semaine prochaine la construction du premier bâtiment. Voilà, bon travail et bon courage.